Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre magazine. Nous les voyons, les côtoyons même de plus en plus dans les rues de nos villes. Je veux parler des sans-domicile fixe. Alors de nombreuses raisons peuvent expliquer cette rupture avec la société, la perte d'un emploi, une addiction à l'alcool ou à la drogue ou encore une maladie mentale. En tous les cas, nous assistons aujourd'hui à une véritable paupérisation de notre société antillo-guyanaise. C'est donc dans ce climat d'urgence sociale que le Conseil général contribue à la mise en place d'une équipe mobile d'intervention sociale par le biais de la Croix-Rouge sur les secteurs de Pointe-à-Pitre et des abîmes essentiellement, mais également sur la Basse-Terre. Ce dispositif vise à rétablir le lien social avec les publics visés et dans le même temps complète le programme d'aide d'urgence en faveur des personnes SDF, ainsi que nous l'expliquera dans un tout petit instant notre invité Pascal Lubineau-Nirelep du Conseil Général. Pascal Lubineau-Nirelep, bonjour. Bonjour. Vous êtes donc la responsable du service de lutte contre les exclusions du Conseil Général, votre mission étant donc de lutter contre toutes les formes d'exclusion, et notamment celles dont sont victimes les personnes en errance, ou SDF. Vous pouvez nous expliquer un petit peu la mission de ce service ? Alors, nous avons cette mission, non seulement, mais notre rôle est d'apporter des réponses, plus particulièrement à des personnes soit en phase de marginalisation, soit en phase d'exclusion sociale, par le biais notamment d'aides que nous apportons à des structures, soit associatives, soit institutionnelles, à savoir le cofinancement pour le fonctionnement d'institutions telles les centres d'hébergement et de réinsertion sociale, tels Saint-Vincent de Paul à Pointe-à-Pitre ou à Cajou Nouvelle Alternative à Basse-Terre, les EMIS, les équipes mobiles d'intervention sociale, les équipes de rue qui, elles, vont au-devant des personnes des 18-30 ans en phase de marginalisation, voire de grande exclusion. Nous apportons une aide aussi à la banque alimentaire et puis aux épiceries sociales et solidaires. Alors, nous les accompagnons et nous finançons notamment des actions à destination des enfants ayant droit de bénéficiaire de RSA. Très bien. C'est important selon vous d'aller au-devant de ce public en errance, puisque forcément ce n'est pas un public qui va solliciter de l'aide naturellement? Oui, très important, parce qu'il paraît inconcevable aujourd'hui que l'on puisse avoir une frange de la population qui soit en exclusion aussi grande. Il est important d'aller au-devant d'elle, de créer du lien social de façon à les ramener vers des structures qui elles, pourraient les prendre en charge directement. Bien sûr. Il y a encore beaucoup de travail à faire, j'imagine. On pourrait faire encore plus. On a de plus en plus de gens qui sont à la marge, qui sont en rupture familiale. Enfin, on peut retrouver dans la rue des gens qui travaillent aussi. On peut avoir des travailleurs pauvres. Et des choses que l'on retrouve depuis quelques mois, ce sont surtout des personnes âgées dont la pension de retraite paraît insuffisante. Voilà. Alors, le rôle des EMIS est au travers de Maronne, dans la ville, la ville de Basse-Terre et ses environs, et puis dans la conurbation urbaine de Pointe-à-Pitre, et d'aller au-devant des personnes, de tisser une relation avec elle, par le biais de remises d'aliments, de boissons, de vêtements, etc. Et surtout, ce que nous verrons tout à l'heure dans le reportage. Voilà. Et surtout de les ramener à des institutions qui pourraient, elles, leur permettre d'ouvrir des droits et pouvoir obtenir un certain nombre de prestations ou alors de se faire soigner. Alors, la mise en place du partenariat avec la Croix-Rouge notamment et le Centre Agadou Alternative, comment ça s'est passé? Écoutez, ça a procédé d'une constatation qui a été celle que de plus en plus de personnes étaient dans la rue et qu'il fallait trouver une solution pour les en faire sortir, voilà. bien évidemment si elles le souhaitent, parce que ce n'est pas toujours évident. Et l'EMIS de la Croix-Rouge a été créé et soutenu à partir de 2009 et celui d'Acajou Alternative à partir de 2011. On peut retrouver des personnes addictées, des personnes en rupture familiale, des personnes qui ont des problèmes psychiatriques, des personnes qui sont tout simplement isolées. Voilà, des personnes isolées. Oui. Mais merci beaucoup, Pascal Lubineau-Nirelep, de nous avoir apporté cet éclairage. Merci. Alors maintenant, justement, pour mieux comprendre l'action des bénévoles de la Croix-Rouge notamment, mais également ceux du Centre Acajou Alternative, bien notre équipe a suivi une de ces équipes mobiles d'intervention sociale, également appelée Maraude. Elles sortent notamment le samedi et le dimanche soir pour aller à la rencontre de ce public en errance. Reportage. Pour répondre à la problématique de l'errance, la Croix-Rouge française a mis en place une équipe mobile d'intervention sociale, en partenariat avec le département, la région, Cap Excellence, le CUCS de Pointe-à-Pitre, la CAF et des professionnels du secteur sanitaire et médico-social. Michael,
François. Bienvenue Michael. Merci, merci. Donc c'est ta première fois aujourd'hui ? Oui, c'est ma première fois. Chaque semaine, depuis septembre 2009, l'EMIS part à la rencontre des personnes en situation de grande précarité de l'agglomération pointoise. Le Gosier, Pointe-à-Pitre, Les Abîmes et Bémao. Ce dispositif itinérant permet d'aller à la rencontre de ce public et répond ainsi à l'urgence sociale. Avant chaque départ, l'équipe composée de bénévoles et de volontaires civiques charge le camion en vêtements, chaussures, produits d'hygiène et nourriture, puis fait un débriefing du week-end précédent. Donc, le briefing de la semaine dernière, c'est que Balthus a été agressé et a été hospitalisé 15 jours. Joël a perdu ses papiers depuis 30 ans. Donc, il manque du savon, savon, pâte dentifrice, brosse à dents, préservatif. Donc, on en a mis. Bien évidemment, l'arrivée de nouveaux bénévoles est une bonne chose pour les maraudes. Cela permet aux équipes de se renforcer et de se relayer sur le terrain. Michael est donc un bénévole en immersion pour la première fois. Nous avons demandé à ce nouveau venu les raisons qui l'ont motivé à effectuer cette démarche. Ben, c'est plus un don du soi, hein. Don du soi que j'avais envie vraiment de voir comment ça se passait. Mais à la base, c'est plusieurs expériences, notamment sur Pointe-à-Pitre. J'ai travaillé environ plus de 6 mois sur Pointe-à-Pitre, dans la ville de Pointe-à-Pitre. Et assez quotidiennement, je croisais des nécessiteux, des personnes qui avaient vraiment besoin d'aide ou autre, qui me demandaient de l'argent. Et moi, je savais pertinemment que ce n'est pas une pièce de 1 euro ou 50 centimes qui allait pouvoir les aider. Un jour, j'ai croisé un jeune homme de la Croix-Rouge, justement, et qui m'a parlé des maraudes, qui m'a un peu expliqué ce qu'on y faisait et ça m'a plu. 96% des personnes en errance sont des hommes. Nous assistons ces dernières années à une évolution de la population de rue. Il y a de plus en plus de jeunes et aujourd'hui, un nouveau phénomène sociétal apparaît. Car les personnes âgées de plus en plus nombreuses viennent gonfler le nombre de SDF. Donc direction Lézé, c'est ça ? L'eau trempée ou saucée? D'accord. Il n'y a pas de short. On n'en a pas. On a quoi des hauts? Pourquoi tu as manches longues plutôt? Il y a des tricots à manches longues? Manches longues. Tiens. Tu as vu mes pieds, tu as vu ça? Mais oui, mais on l'a entaillé comme ça. J'ai été me doucher, demande. Parce que je suis pressé. Tiens, voici le jus. Oui, mets le jus là. Parce que, je me débrouille, merci beaucoup. Il n'y a pas de problème. Eh bien, bonne chance avec ton fils. Ok. Eh bien, merci. D'accord. Ok. Ça va aujourd'hui? On est venu t'emmener un petit sandwich et de quoi boire. Tu veux ou tu veux pas? T'es pas obligé de prendre. Si vous voulez, avec plaisir. Est-ce qu'il te faut des vêtements? On n'a pas beaucoup de choses, mais on a des hauts, si tu veux des hauts. T-shirt. Non, laisse. Tu veux pas? Je veux. Ouais. C'est un nouveau. Je suis Jacqueline. Durville. Michael. Et toi? Là. D'accord, pas de problème. Donc, on te cherche un haut? Non, tu veux pas? Oh, ok. D'accord. Bonne soirée. À bientôt. Au revoir. Quand ils ne veulent pas donner leur nom, il ne faut pas insister. Tu prends ce qu'ils te donnent. Si aujourd'hui c'est un sourire, tu prends un sourire. Là, c'est un sourire. Pour nous, c'était déjà un exploit parce qu'on a eu un sourire aujourd'hui. Mais si demain, il nous dit qu'il s'appelle Jésus-Christ, on va prendre Jésus-Christ. Ce sera notre Jésus-Christ du groupe. Comment il a dit ça? Je suis assis, c'est ça? Je suis assis là, voilà. Son nom, c'est Je suis assis là. Nous, il faut les chercher ou si on nous a fait un signalement, il faut aller les rechercher. Mais comme ils bougent beaucoup, donc c'est pas toujours évident de les trouver.
Oui. Tu peux déjà donner les choux, peut-être. Ah, tiens. Shampoing. Qu'est-ce que c'est, bien vêtements? Vas-y, vêtements. Vous voulez des préservatifs aussi? Oui, merci. Vous en voulez aussi? Oui. Comme nous, on a des émissions. Tu as donné ton savon? Oui. Savon, shampoing? Deux minutes de savon. Il n'y a pas de quoi regarder. Nous, pas savon. Il y a moins que savon. Je pense que c'est maintenant pour vous. Ah oui, on peut pas. Mais il a aussi du savon. Il a un t-shirt. Et par contre, il y en a mais un qui est arrivé avec un seau dans la main. Oui, c'est Emmanuel. Il n'a pas pris de sandwich, lui. Mais lui, c'est lui pour que je comprends. Je le connais pas, mais j'ai pas l'impression qu'il est dans... Dans le grand besoin. Ouais. Mais il a dit qu'il ne savait pas en fait qu'on passait ici, par ici le week-end. Ouais. Bonsoir. C'est bonsoir. Mais aujourd'hui, là, on a dit tout le monde bonjour. En décalé. Non, faut pas dire ça. En décalé, dit. Vous avez levé. Mais oui. Vous avez levé. Alors, ça veut dire que vous pouvez parler pour aller dormir, c'est bonjour. C'est ça. Peut-être que c'est ça même, l'esprit là. C'est qu'on est qu'à fonctionner. Voilà, c'est ça. Si après, ça va au monde qui a dit nous, mais. Vous avez dit qu'il y a des piles gros orteils à Gilien. Et vous dites, voyons quoi. On dit, bon Dieu. Alors, le monsieur de la voiture, ça fait plusieurs mois qu'on est avec lui, qu'on l'accompagne. Ça n'a pas été facile de lui donner, faire germer la petite graine de vouloir sortir. Maintenant, il est prêt, donc on a pu faire ses papiers. Maintenant, il touche sa retraite. Il est suivi par une assistante sociale et maintenant, on attend impatiemment qu'il puisse trouver un logement et sortir de sa voiture. Et bien sûr, il faut que tout soit fait dans le meilleur scénario pour qu'il puisse bien faire l'adaptation et puis faire la transition. Parce que ce n'est pas facile du tout non plus pour lui de sortir de sa voiture et de passer dans une maison et avoir une vie comme tout le monde. Sur un plan opérationnel, ces maraudes sont également possibles grâce à un partenariat privilégié avec le centre Saint-Vincent-de-Paul, l'équipe mobile de psychiatrie, le 115, l'association STOP, le Secours catholique et les centres communaux d'action sociale. Fin de maraude. Nous voici de retour à la Croix-Rouge. L'occasion pour nous de recueillir les impressions de Michael sur cette première expérience. Pour l'instant, ça fait plaisir. Plaisir de voir qu'on peut aider des gens, qu'il y a encore les moyens, il y a le cœur. Donc après, on est toujours attristé de voir autant de personnes dans la rue qui ont des besoins et qui ne sont pas satisfaites. On est toujours content d'avoir un nouveau maillon, ça manque. Et c'est toujours bien d'avoir quelqu'un pour renforcer l'équipe, pour que ce ne soit pas toujours les mêmes. Et pour qu'on puisse pas s'épuiser, parce que quand on s'épuise, c'est pas bon. Il faut laisser passer le relais à quelqu'un d'autre pour pouvoir être toujours en pleine forme, pour pouvoir aider les autres. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour un complément d'information, vous pouvez vous rendre sur le site du Conseil Général qui s'inscrit actuellement sur votre écran. Et si vous souhaitez apporter votre aide, pourquoi pas, eh bien, vous pouvez contacter le SAMU social de la Croix-Rouge ou encore l'association Accueil Joie Alternative, dont les numéros s'affichent également en ce moment même sur votre écran. Et enfin, je vous propose cet ouvrage de Pierre Moreau, paru aux éditions L'Harmattan, intitulé « Mieux comprendre l'exclusion sociale ». Très bonne semaine à vous et à bientôt pour le prochain numéro de votre magazine.